et messieurs, je suis Léonard Fanja, le directeur de publication du journal en ligne lesvisasdafrique.com. Je suis le journaliste patriote. Le journal vous propose la version décolonisée de l'information, c'est-à-dire un engagement à vous servir l'information juste, non biaisée et authentique, favorable à l'émergence de l'Afrique et du Cameroun en particulier. C'est un engagement, on dit que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et les avances, si nous voulons une fois de plus rendre grâce à Dieu. Zambé Wangul Messe Anedamembe. Zambé Wan Fegatut Anedamembe. Temayena qui a Zamedi Azubi Kurelugure Zambé Wan Anedamembe. On voit à Jérusalem, on voit Zamewan Yolazou, on voit. Merci Seigneur, nous attendons ta venue, nous sommes toujours à ton attente, nous comptons toujours sur toi pour combler ce pays, les habitants de ce continent africain, en général du bonheur, de la prospérité, du bien-être, comme dans les autres pays développés. Mais pour ce soir, je voudrais vous attirer, me rappeler, parce que j'ai une composition d'une vidéo qui repasse un peu l'extrait des sorties de certains influenceurs qui vantent la Côte d'Ivoire en la comparant au Cameroun, le continent, comme disent certains. Il faut relever que la plupart de ceux qui disent des continents, ceux qui ont été élevés dans l'environnement de ce régime, c'est-à-dire le bruit pour rien. Et je voudrais vous dire que avant eux, quand j'étais au Gabon, à la CAN du Gabon en 2017, j'avais passé le temps à faire la même chose. Vous envoyez les photos du Gabon aux Camerounais. Certains confrères m'avaient d'ailleurs dit qu'ils constatent que je resterai au Gabon. Je leur avais dit non, moi je reviendrai au Cameroun. Je voulais seulement que vous sachiez comme moi que contrairement à ce qui se dit toujours du Gabon, tout n'est pas que mauvais, il y a de très bonnes choses, il y a des leçons. Nous, le Cameroun a aussi à apprendre du Gabon. Regardez par exemple, Libreville, c'est peut-être l'équivalent de Yaoundé premier, et allez y voir le nombre d'échangeurs. Voilà. Et pendant que j'y étais, quand j'ai m'étonné, j'étais impressionné quand je parlais d'échangeurs dans environ 15 échangeurs dans la ville de Libreville. On me dit non, ce sont les ponts. Les ennemis du Gabon et de Ali Bongo. Disaient, non, c'est les ponts, c'est pas. Il n'y a plus de ponts. J'ai dit, bon, même ce que vous appelez échangeurs, j'appelle ça pont. Il y a combien de ponts à Libreville? Voilà. Comparativement à Yaoundé, qui est 7 fois plus grand que Libreville, il y a lieu de pleurer. Parce qu'il n'est pas concevable qu'on soit dans un pays comme le Cameroun et qu'on souffre la manière qu'on souffre. Hein? Au Gabon, pour prendre rien que les taxis, tels que les taxis de Colbison et de Osso, c'est une personne devant avec ceinture de sécurité. Pas de surcharge. C'est comme ça. On fait l'effort d'améliorer la mobilité des citoyens camerounais. Alors nous interpellons les Camerounais, le gouvernement camerounais à toujours penser, vous voyez. On vous dit que le minimum de salaire au Canada est plus de 2 400 dollars. Pendant qu'au Cameroun, l'équivalent, c'est 93 dollars. Mais au Canada, le carburant coûte moins cher qu'au Cameroun. Allez donc savoir pourquoi. Pendant ce temps, on vole les milliards des résidences des pontes du régime. Et quand on vole les milliards, ça ne dit rien. Aujourd'hui, certaines fois, les sorties comme Bruno Bijan, on l'interpelle. Pourquoi? Qui sont les dernières images du Cameroun? Allez donc y savoir. Suivez avec moi. La Côte d'Ivoire, c'est le Canada de l'Afrique. Ouais. C'est le Canada de l'Afrique. Je me demande, les chers Camerounais, quand on parle de la Côte d'Ivoire, vous êtes jaloux. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, ça vous énerve. Chers Camerounais, j'étais à Abidjan. Je vais vous dire quelque chose, que je suis rentré de la Côte d'Ivoire, je n'en retiens pas qu'un pays africain. Ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, j'ai vu Paris en Côte d'Ivoire. J'ai vu Paris en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont construit leur pays. La Côte d'Ivoire est développée. Et que les Camerounais arrêtent avec le suisse pour moutonnier, de dire que nous sommes partis en Côte d'Ivoire pour aller filmer. On va filmer pour montrer qu'il faut que ça soit aussi comme ça chez nous. Le Cameroun est tout en arrière.
quand tu aimes ton pays, il faut être patriote et avoir le courage de dire la vérité. Non, le pays c'est chic. En fait, j'ai constaté que ici là en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de moto. Il n'y a pas de moto comme nous là-bas, peut-être au Cameroun. Tu peux être bloqué dans l'embouteillage, tu décides de prendre une moto, tu rentres chez toi. Non, ici, il n'y a pas. Elle dit tout le monde a la voiture ici en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, faites ça comment? C'est-à-dire que les seules motos que tu vas voir ici en Côte d'Ivoire, ce sont des motos qui font les livraisons de Yango. Il n'y a pas de moto. Elle dit tout le monde a la voiture. Attendez, vous allez voir. Tout le monde. Tout le monde. Donc, ça me wonder un peu. Sinon, c'est trop chic, hein? C'est doux. Tout le monde m'avait convaincu que la Côte d'Ivoire se limite à Abidjan. Vous avez vu, ça c'est Boaké, et vous jure, les gens camerounais font sciences pour nous. Vous avez dit Boaké, regardez, Boaké, et les routes, c'est pas Abidjan, c'est Boaké. Vous avez dit quoi? Sciences, quand c'est bon, c'est bon. Il n'a même pas 20 ans de règne, hein? C'est petit 12 ans de règne, voilà ça. Est-ce que c'est le Makamazou? Ce n'est pas des choses qu'on... Vous avez même vu la qualité du véhicule. Vraiment. Nous sommes en train d'aller voir le match des Lions pour la qualification. On espère qu'on va passer pour se consoler avec Côte d'Ivoire. Oh yeah. Oh, on ne rencontre pas. Ouais, ouais Galo Cameroun a perdu, on rentre au pays, non, man. Fait-il. Mon petit frère, lui, il est hospitalisé là, la tuberculose, à cause de la poussière. Ouais, on ne rencontre pas. Non. Mon père, sa voiture se gâte chaque temps à cause des routes. Moi, je suis rendu. Regarde, ouais. L'autre jour, ma mère voulait voir le match à la télé. Il ne l'a pas coupé. Mais non, regarde. Je ne rencontre plus. Ouais, regarde. Oh, il y a aussi des choses qu'on dépasse la Côte d'Ivoire, c'est ça. Si je rencontre un bon punk ivoirien, ça dit un bon punk croustillant ivoirien, je vais rentrer faire quoi, maman? What? On a tout ici. Pas de coupure, les routes sont bien, gars, la vie est belle. Attrape un bon punk ivoirien là, je rentre faire quoi, ma coucou? Tout est possible ce soir. Thank you. Salut Wanda, non j'ai même Mais nous on a une seule entrée. Non, casse bon, non, acceptons, casse bon, acceptons. Il n'y a pas de trois. Non, casse bon, il faut accepter. Non, ça c'est propre, acceptons. Il faut être riche pour faire ça au Cameroun. Ça c'est quoi? Regardez comment c'est propre. Franchement, si vous avez tapé le Brésil, ça devait être gagné. Non. Franchement, il mérite le titre. Pardon, les dirigeants camerounais, regardez, c'est les routes à Côte d'Ivoire. Ma jeune amie, c'est ici en Côte d'Ivoire que je me suis rendu compte que il n'y a pas les policiers en route qui sifflent les voitures où la voiture dit, où ils disent que oh, taxi, dossier, il n'y a pas ça ici. Regardez comment je me balade. Depuis que je suis ici, j'ai mangé, il y a à checker, j'ai mangé le foutu, ou foutre tout. Là, de les cas, je suis dans la petite ville de Yamoussoukro, là. Donc, vous voyez, donc. Regardez seulement les routes. Regardez les routes. Il ne faut pas qu'on ait honte quand même. Regardez les routes. Regardez les routes. Regardez. Une route, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. Regardez les routes. Et Yamoussoukro, hein. À Bangano, il faut démissionner, ne demande pas. Il faut même fuir, il faut démissionner. Ça veut qu'on vous supporte, non? Même s'il y a la poussière de l'autre côté, mais tout est prévu que la route sera grande. Regardez. Oui, on va me dire que c'est la canne. Mais nous, on a eu la canne, non? Regardez les entrées, regardez là-bas. Cette canne, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, sera l'une des plus belles cannes jamais réalisées en Afrique. Je dis bien jamais réalisées en Afrique. Et nous tous, nous voyons ça. On voit comment ça se passe. On voit les préparatifs. J'ai posté une vidéo hier où, au niveau de la plage, il y avait des jeux d'eau. On voyait l'eau commence à bouger et tout au rythme de la musique. C'est la première fois en Afrique. À Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire et poumon de la sous-région Afrique de l'Ouest, les routes sont de moins en moins encombrées.
La fluidité du trafic pour une ville d'environ 6,5 millions d'habitants est en effet le résultat des nombreux ponts construits sur la lagune Ébrier. Ici ces doigts-là, regarde les routes, mon frère est couché depuis le matin, il ne peut plus se lever. On dit tout à l'heure on a match face au Nigeria. Ça c'est pas le stade de Bepanda qui est là. Moto de Koti. Moto. Oh, il est pressé comme le Camoujo. De toute façon, Nigeria, il est pressé. Regarde les gratte-ciels, mon frère. Regarde les gratte-ciels. Après, les Ivoiriens vont se lever pour dire qu'il n'y a pas les routes au Cameroun. J'ai dit, regarde la distance. J'ai dit, mais comment ils me sont retrouvés aux États-Unis? C'est qu'elle lève ma tête, je vois le drapeau orange, blanc, vert. Il dit que donc, c'est la Côte d'Ivoire. Maman, il y a les bulles partout. Mais tout. Tu veux que le côté là, regarde un truc. On me dit que c'est la cathédrale. Même dans le taxi, j'ai dit, j'entends seulement virer à gauche, virer à droite. On dirait que nous sommes à Paris, aux Champs-Élysées. Donc les gars là sont avancés comme ça. Je suis dépassé. Oh, magie. Voilà, nous sommes arrivés à Abidjan, on a rendu visite au vieux père du coupé décalé de la culture camerounaise, de la culture ivoirienne. Monsieur Mola, s'il vous plaît, respectez ce nom. Voilà, on l'a vu étant tout petit, aujourd'hui c'est un grand honneur pour nous d'être là et nous lui disons merci de nous avoir accueillis. Et on rappelle encore que Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est la même famille. C'est la même famille. Voilà, donc vieux père, merci de nous avoir accueillis. Vous avez donc suivi. Le tout n'est pas de bavarder. Oh, on est patriote. Le patriotisme, ce n'est pas dans les mots. Le patriotisme est dans le détournement. Ce n'est pas dans la corruption. Le patriotisme, aimer le président Biya, aimer le Cameroun, c'est d'être un exemple. Travailler pour l'amélioration des conditions de vie du Camerounais et l'amélioration, la beauté du pays. Rendre ce pays attractif. On est doté des ports, des parcs et tout, mais des richesses immenses, suffisantes pour faire de ce pays un paradis sur terre. Alors, chers gouvernants, de grâce, essayez de vous inspirer de ce que disent les autres de la Côte d'Ivoire, du progrès qu'elle a connu, et nous faire de même au Cameroun. Je vous remercie.